Salut les amis Celtics, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur eFootball 2024. On va tout de suite basculer sur le jeu, mais je voulais vous dire que j'ai un nouveau PC et que du coup, maintenant, ça va être cool. Les vidéos vont être en meilleure qualité. On va avoir que du 60 FPS. Donc voilà, attendez-vous à vraiment une super qualité pour les vidéos eFootball. Je suis très très content. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un ou deux matchs. On va voir comment ça se présente. Mais je vais essayer de faire jouer encore d'autres joueurs, des joueurs qui sont peut-être en forme en ce moment. On va aller voir qui y a. Dans les joueurs en forme en ce moment. Ok, alors, poste global, valeur. Il n'y a pas un truc. Niveau actuel. Non, niveau actuel, c'est pas ça. Il n'y a pas un truc pour trouver les joueurs en forme. Normalement, il y avait un truc, non? Poste, note global, ordre de recrutement, valeur du joueur. Ah non, je croyais qu'il y avait un truc sur la forme des joueurs. Bon, c'est pas grave, on va regarder. On va regarder en note global. Comment on fait pour. On rappuie dessus, ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. Ça fait que de me mettre dans l'autre sens. On va regarder qui est en forme. Alors, on a du Ribéry, du Casillas, ça c'est dans l'équipe 1. Le Mbappé, il est dans l'équipe 1. Le Jude Bellingham, c'est vrai qu'on le fait pas trop jouer dans. On le fait pas trop trop jouer dans l'autre équipe. Donc on va le mettre en plaçant Jude Bellingham. On va le mettre à la place de Di Maria. Il y a qui d'autre qui est en forme? Là le problème c'est que Gakpo et Pedro, je les ai pas montés les cartes. Gakpo il peut être pas mal en vrai si je le monte. On a un Neymar ici, on a Barcola. Barcola que j'ai monté jusqu'à 85. On peut l'essayer Barcola, ça peut être sympa de tester Barcola. On va le mettre à la place de Vinicius qui n'est pas super en forme. Qui on a d'autre? On a Busquets, Matistel. On n'a pas énormément. J'ai deux cartes de Matistel, mais les deux ne sont pas non plus incroyables. Accélération 95 quand même. Ça en fin de match, à mon avis, ça peut faire très très mal quand même. Ouais, vraiment en fin de match en BU, il peut faire très très mal. Thiago Silva lui est pas en forme. On va voir si on a un autre défenseur du coup qui est en forme. Comme ça, on aura besoin d'un défenseur. Diego Gonçalves, pas mal, hein, contrôle de balle 87. Milieu attaquant. On a Hermoso en DC avec 92 d'agressivité. Il est en construction, donc lui, on va pouvoir le mettre aussi dans nos remplaçants à la place de Thiago Silva. Alors j'ai déjà mis, on va sortir Kangin Lee. Et qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Watanabe, j'avais déjà essayé. McAllister, je ne l'ai pas trop joué. Il a l'air pas mal, sans plus. Rodriguez, lui, était sympa aussi. Il était pas mauvais du tout, Rodriguez. Très bonne vitesse et tout. On peut l'essayer, Rodriguez. On va le mettre à la place de... Ah, le truc, c'est que là, je commence à plus vraiment avoir de place, les amis. On va le mettre à la place de... On a déjà essayé Cherki. On va le mettre un peu à la place de Cherki. Et puis voilà, on a Warren Zaïre-Emery, mais bon, il est qu'à 86, entre guillemets, il n'a pas des stats incroyables. Pour Warren, il va falloir attendre une vraie carte de la semaine, je pense, une vraie carte de Warren. Et on va jouer avec l'équipe B aujourd'hui, parce que je sens qu'il se passe des dingueries si je prends l'équipe A. J'ai fait deux matchs nuls hier, mais je suis sur une bonne période de sans défaite. Mais je pense qu'il ne faut pas que je joue la grosse équipe, parce que là, je sentais qu'hier, je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais je sentais que ça revenait et que je commençais à avoir un peu de malchance. Donc du coup, on va partir comme ça, c'est parti, on se retrouve dans le match. Division 4, 3000 de force collective. Moi, j'ai 3011. Et c'est parti, les amis. J'espère qu'on va pouvoir faire un bon match. Alors, on va choisir le stade. Qu'est-ce que je vais choisir comme stade? À chaque fois, je vais essayer des nouveaux stades, mais je sais pas trop lequel mettre. J'oublie, en fait. Je les confonds tous. On va se mettre en été. C'est vrai que ce serait cool qu'ils mettent été en... Par défaut, quoi. On a envie de jouer l'été, les amis. Là, il fait froid en ce moment. On a envie de jouer l'été, je trouve. Il pourrait nous mettre par défaut l'été. Alors, on a Romario qui est super en forme. On a Rodriguez. Allez, on va tester Rodriguez qui est super en forme. Barcola. Allez, on va tester Barcola, les amis. Est-ce que si je le change... Ouais, Rodriguez peut jouer à droite. Il est gaucher ou pas? Il est droitier. Barcola aussi. On a Barcola, Rodriguez, Romario. Au milieu de terrain, du Joao Félix, c'est pas plus en forme. On a Pedri qui est un peu plus en forme, mais bon, on va laisser ça comme ça. Et derrière, comment il est Hakimi? Allez, on va se mettre Achraf, Hakimi derrière. Roberto Carlos, il est là. Il est en forme. Et c'est parti. On va voir l'équipe de l'adversaire. On a du petit du Valverde, du Cristiano Neymar Dembélé devant. Ah, Dida, il est très très chaud lui. Hein. Très très chaud Dida, attention. Et le goal, moi j'ai qui? J'ai Oliver Kahn. J'ai un gardien défensif, j'ai pas mis d'autres gardiens, j'ai mis Messi sur le banc en cas de grosse galère, mais logiquement, on va essayer de ne pas en avoir besoin. C'est parti, j'espère que ça va être un beau match, j'espère que vous passerez un bon week-end. J'ai fait sur ma chaîne principale une vidéo sur mon nouveau PC,
Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et si vous souhaitez avoir des abonnements Netflix ou Spotify pas cher, je suis partenaire, enfin affilié avec GamesGo. Il y a un lien dans la description, j'ai déjà testé, ça marche et vous avez des abonnements vraiment vraiment pas chers. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Oh, il est beau ce stade. Alors j'ai déjà oublié quel stade. Estadio de Corsapio, je sais pas quoi. Mais en tout cas, celui-là il est assez stylé, j'aime bien la vue. Ah ouais, celui-là on va le réutiliser je pense ce stade. Il est stylé, je trouve. Vraiment pas mal. Oula, ça a l'air de bien jouer, attention. Ça joue vite et ça joue bien. Allez, c'est parti. Rodriguez. Ah, dommage, je me suis fait avoir sur le crochet. Ah, il a pas pris dans la feinte. Hein. Il a pas l'air naïf. Allez, Barcola. Allez, oh, il a fait un tac. Je voulais faire une passe, mon ami. Ouh, c'est quoi ça? Barcola. Ah, oh, le centre. Ah, oh, dommage. Bien joué, Roberto Carlos. Pour Barcola. Barcola, Barcola, la frappe, il a mis 4 heures à frapper, Barcola. Romario le but, c'est parti les amis, let's go. Allez, ça fait plaisir, regardez Barcola comme il est mal fait. Je suis mort, et rien que pour ça, j'ai pas envie qu'il joue, c'est horrible les joueurs pas modélisés. Je trouve que c'est affreux, t'as l'impression de jouer avec un bot. Ah, j'aime pas du tout. Je le sortirai à la mi-temps, je crois, parce que je veux pas jouer avec un joueur où il a une tête bizarre, là. C'est nul. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Ils auraient pu le modéliser, quand même. Franchement, ils ont abusé. Ok, il y avait bien hors-jeu, là, tranquillement. Hein. Oula. Comment il a récupéré ça, petit? Il est sérieux, là? Oula, 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 c'est quoi ça? Ouf, j'ai dégagé parce que là, il se passait une dinguerie là. Il y avait une dinguerie qui arrivait là. Allez, Rodriguez, il est droitier, on s'en souvient. Oh, bien joué le tac, il a bien joué le tac. Hein. Oh là là, Griezmann. Oh, il n'y a pas faute? Dommage. Non, il s'est embrouillé là. Griezmann est là. Ah non, ça passe pas, attention. Allez, Grizzy. Bon, Griezmann, il avait pas d'accélération, les amis. C'était chaud, là. On va jouer sur Barcola de l'autre côté. Ah, j'étais trop loin pour faire la passe. Dommage. Je pouvais pas aller sur la balle. Mais ça, c'est un truc de ouf. Vous avez vu? J'étais... En fait, il y a des moments comme ça où vous avez un mur invisible, vous pouvez pas. Vu que ça passe et téléguidé, vous pouvez pas aller sur la balle. C'est quand même débile, ça, franchement. C'est nul qu'ils fassent ça. Allez, Barcola, vas-y, monte petit. Ouais, Barcola, c'est chaud, par contre, hein, de le faire jouer. Hein. Il est pas encore OP. Hein. Oh, la reprise! Oh, ya, ya, et c'était qui? C'était Rodriguez, la reprise. Ouais, Barcola, il est... Pas incroyable, franchement le joueur est pas dingue. Hein. Griezmann pour une déviation. Ah, il y a Rudiger qui sort. Ah, quand Rudiger sort là, c'est fini, mec. Hakimi. Oh, le centre complètement raté. Il était accroché, je pense, Hakimi. Il s'est fait. Ouais, je sais pas pourquoi il a raté son centre comme ça. Allez, Rudiger, bouffe-moi ce Ronaldo. Il l'a fait tomber, il l'a défoncé, mec. Je peux pas intervenir, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je vous jure, il y avait vraiment des moments où la passe, elle est téléguidée, je peux pas aller dessus. Trop énervant, ça. Hein. On va le faire à deux. Hein. Non, même pas. Il a vraiment mal tiré pour le coup. Hein.
Super, Rodriguez. Pour Griezmann. Allez, Griezmann. Et moi, allez, moi par contre, je suis pas loqué, hein, vous avez vu? Moi, par contre, je suis... lui, il a pas de mur invisible. Hein, il a direct sur la balle. Oh, c'est quoi ce dégagement, Kahn? T'es sérieux? Comment il met dans la merde? Oh non. Oh là 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 là, la galère. Oh la galère, les amis. Allez, Barcola sur l'aile. Oh la vieille passe qu'il a fait, Barcola. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh là là, c'est nul. Oh là là, je galère, un truc de fou. Faut que je mette le deuxième avant la mi-temps, je pense. Il faut que je calme le jeu, peut-être que j'essaye d'aller trop vite. C'est peut-être pour ça que je... j'ai du mal à me procurer des occasions, je sais pas. Bien joué ça. Bernardo Silva. Roberto Carlos. Non. Oh, lui non plus, il s'y attendait pas, vous avez vu? Il s'y attendait pas à ce que je fasse cette merde là. Il y a faute. Il y a trois fois faute. Oh là 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 là, c'est incroyable. Allez. J'ai testé, c'était Roberto Carlos. J'ai vu que c'était 45e. Je me suis dit, vas-y, j'essaye de mettre un gros but de fou là, comme ça. Allez, Griezmann. Allez, Griezmann. Allez. Oh non, t'es sérieux? Comment il arrive à la ressortir, celle-là? C'était incroyable. Bon, Barcola, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. Il est en forme, en plus. Oh, c'est franchement, les gars, c'est chaud. Je peux pas rester comme ça. Hein. Autant Rodriguez, ça va, mais Barcola, c'est tendu, hein, honnêtement. On va partir avec Son. On va remettre un mec à gauche. On va faire passer Son en AC comme ça. Rodriguez, il est pas mal. Franchement, il est pas mal du tout. Il a une accélération de fou. Il a un bon coup de rein. Tu peux éliminer avec lui. On va mettre deux attaquants dans l'axe. Ça va être mieux. Allez. Oh, c'est ouf. Je me fais contrer de partout. Allez, c'est passé pour Rodriguez. Ah, mais il est droitier, j'avais oublié. Il n'y a pas faute, là? Mais bien défoncé, quand même. Hein. Ah, le 1-2 qui marche pas. Ah, Griezmann qui l'a pas. Ah, mais je galère, c'est fou, hein. Ouah, c'est un truc de ouf. Il arrive super vite sur moi et tout. J'arrive pas. C'est super compliqué. Ça va être super compliqué de marquer un but, je le sens là. Oh là là, les passes, elles sont pas bonnes. Tain, c'est dingue. Allez, il faut que je me calme, les amis. Et que je marque un but. Rodriguez. Regardez, son équipe, elle est partout. J'arrive pas à faire des passes. J'arrive pas à évoluer. C'est un truc de fou. Je sais pas. Son équipe, elle est partout. Les mecs au pressing, ils sont partout. Pourtant, je joue vite. Hein. Regardez, je traîne pas. Hein. Regardez comme ils sont sur moi. C'est un truc de ouf. Je peux rien faire. À chaque fois, c'est genre, je fais une passe pile au moment où le mec va me la prendre. Je peux rien faire. C'est un truc de ouf. Et mes passes, moi, ils sont toutes molles. Regardez les passes de merde qu'il me fait. Oh là là, mes joueurs, ils sont nuls. Allez! Ouais, c'est un truc de fou. Je peux pas... On dirait que je peux pas jouer vite. C'est horrible. Je peux pas faire des passes vite. Oh là là, attention. Faut reculer.
Vous avez vu, il est encore à une seconde. Regarde, il va me la prendre. C'est un truc. Regardez, c'est un truc de fou. Je peux rien faire. Et je vous jure, c'est un truc de ouf. Je peux rien faire. Et je le sens en fait que je peux rien faire. C'est ça qui est dingue. Je sais pas comment je vais me sortir de ça. Hein. Griezmann, il a une douleur à la jambe. Ah ouais, d'accord. Griezmann, t'es pas bien. Je vais mettre Pedri. À gauche, on va mettre Ousmane qui va rentrer. On va mettre Bellingham, on va muscler un peu l'entrejeu. Je peux pas. C'est un truc de fou. Oh, sa mère. Il est déjà dessus. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est un truc de ouf. Regardez, il va se repasser. Oh là là, j'étais 2 mètres devant. Oh, c'est un truc. Eh, c'est un truc de fou, les gars. Je sais pas ce qui se passe. Franchement, j'arrive plus à jouer. C'est juste... Soit il y a une espèce de... Mais j'ai même pas l'impression qu'il y ait de la latence. Je n'arrive plus à évoluer. En fait, son pressing... Regardez, ici, il est partout. Mais c'est un truc de ouf. Même quand il n'est pas là du début, il arrive à être là après. Faut que je calme mon jeu, je pense. Hein. Il était déjà... Non, mais... Il y avait un mec qui était sur moi. Vous avez vu, lui, il était déjà revenu, Ousmane, là. La passe, elle va pas passer, quand même. C'est bon. Non, mais ils sont partout, mais... Comment c'est possible? Mais il est encore là, mais ça... c'est un truc de ouf. Comment il est tout le temps sur le mec à qui je fais la passe? C'est une dinguerie quand même. Allez, Roberto Carlos, vas-y mon ami. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oh, dommage. Oh, il est encore là. Oh, je vous jure, ça me casse les burnes. Il y a toujours un mec. Et... Oh, il a failli la rater. Oh, la frappe dégueulasse! Qu'est-ce que c'est que cette frappe? Ah là 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 là, c'est compliqué là, les amis. Hein. C'est grave, grave compliqué. Hein. C'est pas ce qui se passe, mais mes joueurs, ils sont débiles. Est-ce que j'ai encore un changement possible, Hermoso? Parce que sinon, c'était sûr qu'il allait me faire une dinguerie, Rudiger, là, il crevait. C'était sûr qu'il allait me faire une cagade, là, une grosse bourde. Je le sens complètement. Donc on va faire ça, je pense. Et on va voir comment ça se passe, parce que... Ouais, non, ça sent la dinguerie, vous voyez. Allez. Allez, 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 tranquille. Voilà, eh mais non mais c'est un truc de fou, vous avez vu, mes joueurs ils sont débiles, non mais franchement. Oh, oh le tag de fou que j'ai fait. Non, non, mais, non mais, je ne... mais ça rend fou les gars, ce jeu il rend fou. Je ne peux pas prendre la balle, je passe devant, et regardez le goal, il tire en plein milieu, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi la passe est ratée, je ne peux rien faire. C'est un truc de malade, franchement c'est un truc de malade ce jeu. Allez, tire. Oh, mais c'est un truc de ouf. J'avais tout bien fait. Et lui, il y va pas. Mais... Mes joueurs, ils sont débiles. Franchement, je vous jure. C'est injouable. Mes joueurs, ils sont complètement cons. Bellingham, vous avez vu comment il s'est rattrapé par un mec fatigué, là? Et la passe de merde, mais... Allez, fais ta passe, mon ami. Ah, ça, c'était nul. Incroyable. C'est incroyable. Franchement, je vous jure, c'est un truc de fou.
du moment où je l'ai senti, il avait zéro tir. Ils lui ont donné un but. C'est un truc de fou. Je vais refaire un match parce que ce match-là me satisfait pas du tout. Quand je vous dis... Oh, je perds 20 points. Oh, aïe, 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 aïe. Quel enfer. Je vais faire un autre match. Bah, je vais essayer de prendre la grosse équipe. On va voir ce que ça donne. Hop. On va essayer de prendre celle-là. Et c'est parti. J'espère que ce sera mieux, honnêtement. Alors, j'ai pas vu la division. J'étais encore en train de regarder un autre truc parce que j'attends des trucs sur Amazon là, qui doivent être livrés. J'ai pas du tout vu la division. Alors, on va partir comme ça. Ousmane. Oh, il y a des joueurs en forme là. C'est dommage. On va pas les faire jouer tout de suite. Ok, Ousmane, on peut le mettre. Hein. On peut le mettre là et on va le faire jouer à droite. C'est parti. Let's go les amis, c'est parti, allez. Cette fois avec la grosse équipe, il faut qu'on fasse un bon match et qu'on gagne. Hein. Le centre direct. Ouf, oh là là, le centre. Incroyable centre. Vous avez vu comme il était travaillé, il était super beau. Di Marco, gros centreur. Hein. Et le premier but. Avec Mbappé qui a fait un super appel là pour le jouer de la tête. C'est rare qu'il fasse ça. Allez. Ouais, j'ai vu la passe là. Oh, le contrôle qui me rate, Messi. Incroyable ça. Ouf, dommage. Il y avait un beau mouvement là. Les joueurs sont bien en mouvement là, je trouve, c'est cool. Oh, je voulais frapper, dommage. Oh, je voulais encore frapper, dommage. Il se dégage vite. Allez, Di Marco qui récupère. Non. Oh, je ne l'ai pas eu. Attention, ça va partir vite là. Il va faire la passe. Oh, c'était chaud. Attention, attention. Waouh, j'ai de la chance là-dessus. Il aurait pu marquer vraiment. Il aurait vraiment pu marquer. Waouh, tendu ce que j'ai fait là. Ah, Mbappé, t'es tout seul. Vas-y, mon gars. Oh, j'ai voulu faire la passe. J'aurais peut-être dû tirer avant. Hein. En vrai, ouais, j'aurais dû tirer avant. Y'a pas hors-jeu. Oh, heureusement que je la touche, le gardien. T'es là. Bien joué. Bien joué, gardien. Ah, je peux pas prendre la balle. C'est un truc de ouf. Bien joué, Ribéry. Non. Allez, ouais. Mbappé de la tête, c'est pas son truc, même s'il vient de marquer de la tête. Ça s'emballe un peu le match, là. Ça va un peu vite, un peu trop vite, peut-être. Faute ? Pas faute ? Dembélé ! Oh ! Bon, je lui mets la pression, quand même, même si ça finit pas toujours par des frappes. Pour l'instant, on met une bonne pression sur le joueur, hein. Il va la mettre, attention. Non, il est pas parti, Ribéry. Je pensais qu'il repartirait direct. J'avais appuyé direct. Bon, le match, ça va d'un but à l'autre. C'est match de première ligue. Dommage, la passe d'Mbappé n'est pas terrible encore.
J'ai même pas le temps de parler, ça va trop vite les gars, le match là. C'est, ça va d'un but à l'autre. Oh. Oh là là, non, qu'est-ce qu'il m'a fait Nesta? Je sais pas pourquoi parfois ils font ça. Vous avez vu, ils partent et après ils... Oh, ce que j'ai arrêté avec P. Oh là là, le placement que j'ai eu. Oh, oh j'ai sauvé un but là, c'était n'importe quoi. Le 3 contre 2, il a réussi à le rater. Hein. Enfin, j'ai réussi à l'éviter, c'était très très chaud les gars. Oh là là, deux fois évité sur la ligne. Bah là, ça veut dire qu'il faut que je fasse gaffe. Hein. Laisse jouer! Ah mais laisse jouer, on s'en fout qu'ils prennent un jaune, tu peux le mettre plus tard le jaune. C'est dommage. Oh, Messi se fait reprendre tellement facilement, c'est abusé ça aussi. C'est quoi ce truc, franchement? Oh. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là. Allez, Di Marco, bien joué. Je galère encore. Hein. Ça me fait comme au match d'avant. Le match au début est bien. Et juste après, les joueurs commencent à se bouger bizarrement. Non, là, c'est moi qui ai raté ça. Les joueurs se déplacent pas bien sur le terrain. Je sais pas pourquoi. Ah, non. Ça va être la fin de la mi-temps. On va tranquillement se calmer, mais c'est vrai que le match elle est un peu vite là. T'arrêtes pas d'aller d'un but à l'autre. Penalty. Y'a pas faute. Quoi? Oh, il est sérieux là? Oh non. Mais. Eh mais je vous jure qu'ils veulent donner des buts au mec. Je vous jure. C'est pas possible. J'étais dessus. Oh la défense, elle fait des dingueries, les gars. C'est. Oh, je comprends pas. Hein. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. On va se remettre en... On va se mettre en MLG, on va voir ce que ça donne. Je trouve que ma défense, là, je peux pas lui faire confiance. Dès qu'il y a une contre-attaque, elle se place mal. Du coup, je vais être obligé de jouer en défensif à fond, hein, à mon avis. Il y a une grosse équipe. J'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. Il y a quand même une très grosse équipe. Et c'est aussi pour ça que j'en chie, je pense. C'est pas facile. Allez, on va essayer de tenir et surtout, il faut absolument mettre le deuxième but, sinon ça va pas le faire. Hein. Je le sens que le but va arriver, il faut que je mette un deuxième but, les gars. Ouais, je peux rien prendre. C'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être dessus et ah, c'est dur. Hein. Allez. Il faut que j'arrive dans son camp, là, tranquille. Faute. Ouais, quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer court, hein. Ah, bah, c'est pas là que je la mets, c'est pas grave. Oh, je l'ai défoncé. J'espère que je vais pas prendre un rouge. Je pensais vraiment prendre la balle. Hein. Ok, ça va. Ouf, c'était chaud. Hein. Je l'ai bien défoncé. En plus, il est pas trop... Ouais, c'est Roberto Carlos. Faut faire gaffe quand même. Ok, il le tire pas comme ça. Est-ce qu'il va le tirer direct? Je sais pas.
Ouais, c'est raté. C'est bien. Ils sont beaucoup devant, hein. Franchement, ils sont énormément devant, ils sont pas beaucoup derrière, hein. Oh, le contrôle de... Moi, c'est le contrôle de 500 mètres qui me fait... Ça me saoule. Mes joueurs, ils sont... Oh là là, il n'y a plus personne en défense. C'est un truc de ouf, sérieux. Comment c'est possible? Mais c'est dingue. Mais... Vraiment, ça rend fou ce jeu. Oh là là. Tous mes joueurs, ils font n'importe quoi. Un truc de fou. Je vais galérer là, je le sens. Aïe. C'était pas mal joué, c'était pas mal joué. Regardez, regardez, je suis en défensif. J'ai que des contres avec où il n'y a plus personne. On va comprendre pourquoi. Et c'est pareil que le match d'avance, il a un pressing de fou, je peux rien faire. Vous avez vu le pressing de dingue qu'il me met? Ah, oh, dommage, c'était Huxman. C'est pied droit, pied gauche, je peux tirer. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression ouais, que mes joueurs, ils sont plus mous. C'est dur, tu vois, de... C'est dur de faire des différences, on dirait des 33 tonnes, c'est compliqué, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'un Neymar nous ferait du bien pour garder la balle en fait. Je vais essayer de plus avoir la balle et... Un Neymar pourrait plus nous aider qu'un Mbappé. On va essayer. Allez, c'est reparti. Allez, Neymar. Oh bien joué Neymar ça. Allez. Hakimi. Oh, elle a failli lober le gardien cette balle là, c'était incroyable. Allez, on est rentré dans sa surface. On a fait quelques passes dedans. Ça va lui annuler son momentum, on espère. Et c'est reparti. Allez les gars, on va aller marquer le deuxième maintenant. Aïe. Oh là là, dur, 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 dur. Ouh, heureusement qu'il n'a pas tiré tout de suite, ça aurait pu être très très dangereux. Di Marco qui a réussi à revenir. Je vais prendre le goal là. J'ai pas encore fait. Allez, gardien. Oh, qu'est-ce que tu fais, gardien? C'est quoi, ça? Oh, non, mais honnêtement, c'est quoi? C'est pas possible. Les gars, je... C'est quoi, je vais arrêter de jouer pour aujourd'hui. Hein. Honnêtement, je vais plus jouer au jeu aujourd'hui, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je joue aujourd'hui, c'est pas la peine que je m'énerve. Oh, il l'arrête. Penalty. Penalty, les amis. Oh là 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 là. Il a taclé. Par contre, les pénalties, Messi 99. Allez. Oh putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et hors-jeu, mais non. Je suis au bout de ma vie, ce match. Qu'est-ce que c'est que ce match? Pff.
Allez, allez, il faut se reprendre. Je peux marquer un but, hein, vous avez vu, je peux encore en mettre un. Allez! Oh, comment il rate ça? Mais t'es pas sérieux, Ousmane? Mais Ousmane, c'est spécialiste d'avoir des occasions comme ça et de les rater, quoi. Oh, j'étais dessus. C'est le... Arrête! Mais non! Oh là là, c'est un truc de fou. Non, mais c'est un truc de fou, y a pas faute! Ousmane, c'est le spécialiste du... Je te rate le truc au... Le truc inratable, là, je te le rate au dernier moment. Putain, si je le prends, je vais être saoulé. Il va le mettre, hein. Heureusement que j'ai pas bougé. Ah, les matchs sont... J'ai l'impression de me battre contre moi-même. Les matchs sont durs, pas parce que les gars jouent bien, les matchs sont juste durs parce que le jeu a décidé que ça allait être dur aujourd'hui, quoi. Oh, bien sûr, ça n'arrive pas, évidemment, bien sûr. Allez, il faut qu'on marque. J'y crois, les amis, j'y crois. Qu'est-ce qu'on peut faire comme dernier changement? Dembélé est déjà mort, hein. Évidemment. qu'est-ce qu'on peut faire, Bellingham? C'est incroyable ce match encore. Franchement, comment je le gagne pas, je sais pas. C'est moi qui joue. Je veux pas non plus. Je joue mal, hein. Bernardo Silva aussi, on va le changer. On a déjà changé Neymar et Coman. Allez, il faut mettre le but, les gars. Allez, on y va. Il faut que je mette le but. Allez. Allez, la faute, le coup franc de Neymar. Est-ce que... Ah, c'est con qu'on puisse pas lui passer là. Pourquoi il se déplace pas lui? Oh, mais non. Allez. Non, non. Il est hors jeu? Il est pas hors jeu? Oh là 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 là! Eh, on lui a encore offert une contre-attaque. Je suis désolé, mais là, on lui a offert une contre-attaque. J'ai rien fait de mal. Et la contre-attaque, elle a failli arriver. C'est un truc de ouf. Allez, allez, Kingsley! Allez, Kingsley! Allez, Kingsley! Oh, c'est pas vrai! No way! J'aurais dû aller plus loin. J'ai abusé. Allez, allez, on peut marquer. Non. Non, mais j'avais fait la fin de frappe parfaite. Pourquoi il a mal contrôlé son ballon, Jude Bellingham? Ah, oh, dommage. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable parce que je gagne pas ces matchs, mais bon, je sais pas. C'est trop dur, vraiment trop dur aujourd'hui. Je crois que je vais pas jouer au jeu aujourd'hui parce que ça va m'agacer. Mais en tout cas voilà, j'ai essayé de gagner, j'ai pas réussi. Je vous dis ciao à tous les amis, gros bisous, c'était Altice. N'oubliez pas le petit like et on se dit à plus tard. Ciao ciao tout le monde et bonne journée.